Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter et dans cette nouvelle vidéo on va justement s'intéresser à un personnage qui pour moi est assez sous-coté dans l'œuvre qui est Hunter x Hunter, c'est le personnage de Nov. Alors bon, Nov évidemment je pense que la majorité d'entre vous connaissent ce personnage, évidemment lorsqu'on parle de Nov on parle du disciple de Netero, hein, mais qui cache aussi des éléments vraiment intéressants. Bon, on sait évidemment qu'il a participé à l'arc Chimera Ants, et c'est là que les choses deviennent intéressantes puisqu'il a connu plusieurs phases au niveau de l'arc Chimera Ants. Une première phase où effectivement il est entré, on le sait, avec Moro et puis Netero dans le territoire de NGL pour pouvoir justement enquêter sur la menace que représentaient les fourmis chimères, au moment où on sait, hein, Gon et Kirua ont tout simplement fui le territoire de NGL à la suite de la situation compliquée dans laquelle ils se sont retrouvés avec Kaito. Et c'est vrai que le personnage de Nov, pour moi, c'est un personnage qui a un pouvoir un petit peu à l'image de ce que je disais dans ma vidéo sur le pouvoir de Mikkel. Le personnage de Nov, c'est un personnage qui, pour moi, a un pouvoir très intéressant. Il a un pouvoir extrêmement utile dans plein de situations de combat variées. Et c'est vrai que je trouve que Togashi, avec le personnage de Nov, n'est pas allé justement explorer toutes les possibilités existantes avec le pouvoir de Nov. On sait que Nov, il a connu une situation un petit peu compliquée, hein, lors de l'arc Chimera Ants. Hein. Évidemment, je fais référence au moment où il est allé, entre guillemets, il a précédé un peu tout le monde pour s'infiltrer dans le palais royal afin d'obtenir des renseignements, des informations un petit peu sur le palais royal, la disposition des gardes de Meruem, etc. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, on a senti que, entre guillemets, le personnage qu'on considérait comme infaillible, c'est vrai que il y a eu un moment où je considérais le personnage de Nov comme quasiment pratiquement infaillible, parce que, et ça va faire le lien avec ce que je vais dire après, notamment sur son pouvoir, c'est vrai que le pouvoir de Nov, pour moi, je le considérais comme infaillible dans le sens où il peut littéralement, et s'il a mis des portes dimensionnelles au préalable, il peut littéralement s'exfiltrer de n'importe quelle situation de combat. Donc même s'il est dans une situation un peu compliquée, typiquement, théoriquement, il peut s'exfiltrer de la situation de combat en question. Et c'est là où c'est vraiment ultra intéressant le pouvoir de Nov. Donc c'est vrai que j'ai été un peu surpris lorsque il est arrivé dans le palais royal et qu'il a un petit peu perdu un peu ses émotions lorsqu'il a été confronté directement à l'aura de Boufou. D'ailleurs, en passant, c'est assez incroyable parce que cette expérience-là, le fait d'avoir été confronté à l'aura de Boufou, a fait que, entre guillemets, il a vieilli physiquement. Et donc c'est vrai que, initialement, moi, quand j'ai vu la première fois le personnage de Nov, je me suis jamais dit qu'il allait être cantonné, réduit à simplement un rôle de, entre guillemets, de relais en fait pour les autres, pour qu'il puisse arriver jusqu'au palais royal. Moi je pensais vraiment qu'il allait jouer un rôle plein et entier lors de la conclusion finale de l'arc Chimera Ants. Ça n'a pas été le cas, et c'est vrai que ça a été pour moi une forme de déception, parce que comme je l'ai dit, son pouvoir, on peut citer plein d'exemples d'utilisation, il peut être très intéressant aussi, notamment pour arriver et pour créer une surprise, justement pour arriver derrière les adversaires de Nov. Hein. On sait que il y a eu certains moments au début vers la moitié de l'arc Chimera Ants où il a utilisé un peu comme ça son pouvoir à Nov, hein, où il arrivait un petit peu à créer un sentiment de furtivité, un effet de surprise, et il arrivait un peu derrière les fourmis chimères qu'il a pu affronter, Nov. Et donc c'est vrai que pour moi ça reste un personnage qui n'a pas eu le développement qu'il méritait. Et c'est vrai que je suis assez déçu par rapport à ça. Je pense qu'il aurait dû prendre toute sa place dans la conclusion finale de l'arc Chimera Ants, notamment au moment où on sait des personnages tels que Knuckles ou Shoot ont connu des difficultés, notamment face à Yuppie. Et à ce moment-là, je pense que notamment l'utilisation de son pouvoir aurait pu être très intéressante, parce que ça aurait pu complètement dynamiser le combat et créer des situations de combat beaucoup plus variées et beaucoup plus à l'avantage du groupe, justement, Knuckles, Shoot, etc., etc. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un personnage qui est assez sous-côté. Je réfléchissais comme ça, je me suis dit ça serait quand même assez intéressant de le revoir, de revoir ce personnage-là dans l'arc du continent caché, puisqu'on sait que l'expédition vers le continent caché, c'est une expédition vers un endroit qui est vraiment, entre guillemets, inconnu, un endroit qui est rempli de mystères. On sait évidemment qu'il y a certaines personnes très rares qui auraient pu accéder à cet endroit-là et qui, justement, parlent d'un endroit vraiment, où il y a, entre guillemets, beaucoup de mystères, hein. Il y a probablement des créatures très dangereuses au niveau du continent caché. Et donc, pour moi, le personnage de Nov pourrait être très intéressant, parce que dans une situation où, effectivement, on est dans un territoire où, entre guillemets, l'inconnu, le mystère prime, puisque il y a très peu d'informations sur le territoire du continent caché, un pouvoir tel que Nov, qui permet de, entre guillemets, d'avoir une dimension alternative pour pouvoir se réfugier, pour pouvoir temporiser aussi lors d'un combat, pour pouvoir préparer aussi justement
des plans, comme c'est un peu le cas avec justement Gon, Killua, Meleoron, Knuckleshoot, etc. Bah, c'est vrai que ce type de pouvoir, le pouvoir de 9, serait super intéressant. Parce que du coup, ça permettrait, lors d'une situation compliquée, de pouvoir justement, de pouvoir rester à distance, essayer de réfléchir, et essayer justement de réfléchir à des mesures de contre-attaque pour les Hunters. Mais bon, comme tout le monde, évidemment, on attend de voir un petit peu ce que va nous donner l'arc du continent caché. Mais c'est vrai que voilà, ça me tenait un petit peu à cœur de parler du personnage de 9, parce que je trouve que c'est un personnage qui n'a pas eu le développement qu'il méritait. Je trouve que c'est un personnage qui aurait pu justement jouer un rôle beaucoup plus important, pas que justement au niveau de l'arc Chimera Ant, mais après aussi, parce que, souvenez-vous, après l'arc Chimera Ant, on a justement l'arc des élections. Et c'est vrai que bah, Nov, c'est un personnage qui est comme assez sérieux, qui peut apparaître crédible pour être président des Hunters. Donc c'est vrai que pour moi, le personnage de Nov aurait même pu être président des Hunters, et donc, entre guillemets, reprendre le flambeau qu'avait laissé Netero. Mais voilà les amis, en tout cas, j'espère qu'on aura des nouvelles de Nov lorsque les prochains chapitres de Hunter x Hunter sortiront, et qu'on aura enfin, je l'espère, le début concret de l'arc du continent caché. On se laisse là-dessus, c'est tout pour cette vidéo, et puis on se retrouve justement une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!